Mon évêque un jour m'a envoyé au camp Noisy-le-Grand. Alors là, c'est là que tout a commencé. C'est ATD Carmonde commence à Noisy-le-Grand. Tout a commencé déjà, mais à Noisy-le-Grand, ATD Carmonde a commencé. Et a commencé pourquoi? Parce que peut-être, et c'est la sœur Teresa qui est venue me voir à l'époque, me le disait. Je n'ai jamais rencontré une misère aussi grande qu'ici même aux Indes. Et ce que j'ai trouvé d'extraordinaire, me disait-elle, c'est que les enfants dans ce milieu de misère restent pleins de joie et m'ont accueilli avec enthousiasme comme si j'étais leur grande sœur. Et c'est cette, si vous voulez, cette misère qui était à la fois, non pas, qui était vraiment, j'en souffrais. Cette misère faisait que les gens se mettaient debout, s'organisaient, réclamaient pas ni du pain, mais réclamaient le savoir. Ils demandaient absolument que je m'occupe de leurs enfants pour leur apprendre. ATD a donc été la réponse à un appel puissant qui sortait du monde de la misère.